je me souviendrai toujours des premières présentations des maquettes de costumes ou des concepts de costumes de Michel. 87. Guy m'arrive, il était directeur de création à ce moment-là. Il arrive avec un paquet de feuilles, puis c'était des coups d'éponge. Michel avait pris des éponges, il les avait mis dans la peinture, puis il avait fait des taches. Puis à un moment donné, Guy dit, mais ça va être ça, nos concepts de costumes. Mais il y en avait un, celui du roi des fous, qui était tellement un personnage. Hein, tu te souviens du personnage du roi des fous? Mais l'idée, puis c'est là où j'ai dit, all right, on y va pour ça. Mais l'idée pour ça, c'était... Avec le mouvement qu'il y avait là-dedans, essayer de trouver des personnages ou des formes. C'est tout ce qu'il nous avait. Il nous avait donné à peu près 300 feuilles, il les avait laissées là, puis il avait dit encerclez où est-ce que vous trouvez que des formes ou des choses qui vous, mais il y en avait qui vous inspirent. Et puis il faut savoir que précédemment, les costumes de cirque, même au Cirque du Soleil, étaient encore très influencés par le costume militaire. La cavalerie, tout ça, là, c'était ça, finalement, la référence pour les costumes de cirque. Et je dirais, ces gestes-là, finalement, c'était plus une espèce de provocation à l'extrême pour essayer de décrocher de la tradition du costume de la cavalerie puis aller carrément vers autre chose.